Mesdames, messieurs, je suis votre nouvelle amie. J'ai 10 ans et je m'appelle... Céline, viens vite, tes parents s'en vont. Ça y est, vous envolez. Oui, ma chérie. On revient dans 2 jours. Rosalie va vous garder. Fais-moi un gros bisou. Soyez sage, hein. N'en profitez pas. Mon assiette? Céline? Non, mais je sais pas. Ouais, c'est ça. Tu me l'as caché. Celui qui a pris ton assiette est déjà sorti. Et le chien a tout mangé. Hé, hey, c'est toi? Où tu l'as trouvé? Près de l'eau. Il est malade. Mais non, il est mort. Ah oui? T'as raison. Regardez, Valentin et sa bande. Thank you.
C'est vrai, je ne t'ai pas encore trouvé de prénom. Je voudrais tellement que Valentin me fasse confiance. Si je le dénonçais, son père le frapperait. Non. Lui aussi, il doit pleurer parfois. Bon, je vais te laisser. Demain, c'est l'école. Ça y est! Je sais comment je vais t'appeler. Blaise. Ça te va bien? Bonsoir, Blaise. Si l'un d'entre vous sait qui a fait ça, il doit me le signaler. Mais j'aimerais mieux que le coupable se dénonce lui-même. Bien. Valentin, Richard et Pierre, suivez-moi dans mon bureau, s'il vous plaît. Je vous laisse continuer. Céline, on t'a aperçue hier sous la pluie dans le village. Que faisais-tu? Je me promenais. Est-ce que tu as vu ou entendu quelque chose d'inhabituel? Non, rien. Blaise, je ne dis la vérité à personne. Je ne peux la dire qu'à toi. Si Valentin imagine que j'ai mouchardé, il est capable de me tuer. Il est fou. Il... C'est nous. Ouais. Céline,